Dave Brown a une flotte de 42 camions. Nous avons des camionneurs sur la route 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les camionneurs doivent posséder trois compétences de base, la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Sans ces compétences, il est impossible de survivre dans l'industrie du camionnage. Les camionneurs doivent perfectionner ces compétences essentielles parce qu'aujourd'hui, avec les règlements, il faut noter des informations dans un registre. Pour traiter avec les clients, les camionneurs doivent aussi faire des calculs et lire des contrats de transport. Toutes ces choses ont des impacts sur notre entreprise. La nouvelle technologie nous a obligés à améliorer notre flotte et nos systèmes pour rester compétitifs dans l'industrie, garder notre part de marché et assurer notre rentabilité. Nous sommes au siège social et centre de fabrication de l'entreprise All Weather Windows à Edmonton, en Alberta. Nous fabriquons des portes et fenêtres. Un de nos objectifs principaux pour le développement de l'entreprise est de voir à ce que nos employés aient les compétences nécessaires pour faire leur travail le mieux possible. Nous faisons beaucoup de travail manuel, mais il ne faut absolument pas que l'un l'emporte sur l'autre. Même les ouvriers doivent être capables de lire, d'interpréter des données et de consulter les documents produits lors des processus, par exemple ceux générés par Oracle, notre système de gestion intégrée. Les employés doivent ensuite interpréter l'information puis l'appliquer dans leurs tâches. Pour réussir en affaires, il faut investir dans les employés. Et il ne suffit pas de le faire une seule fois, mais constamment, et on en tire des avantages 10 fois plus grands. La technologie numérique et les compétences que doivent posséder les gens ont des effets énormes sur l'industrie de l'imprimerie et sur notre entreprise. Aujourd'hui, il faut absolument savoir lire et écrire pour comprendre l'information nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Notre atout numéro un, c'est notre personnel. Si nous ne le formons pas pour qu'il réponde aux normes actuelles, nous ne pourrons pas rester en affaires. Il est donc important que les personnes comprennent les changements technologiques et ce que l'entreprise doit faire pour rester un chef de file. Malek est un atelier de fabrication de tôles. Nous prenons les tôles de matière brute et pouvons les couper au laser, les poinçonner à la cisaille, les arrondir, les souder et les peinturer sur place. Ces dernières années, les procédés et les procédures ont changé. Nous avons installé un système de base de données qui va avec l'équipement de l'atelier. Ça a changé non seulement certaines tâches et responsabilités de certains employés, mais aussi les procédures qu'ils doivent suivre, comme le codage par code à barre des travaux, entrant et sortant. Nous pouvons aussi déterminer rapidement à quelle étape une pièce est rendue dans l'atelier. On sait tous que beaucoup d'employés apprennent, avec les années, à exécuter leurs tâches même s'ils n'ont pas toutes les compétences essentielles. Ils sont parfois capables de cacher ces manques. Nous avons détecté le problème et allons offrir à ces employés une formation qui les aidera non seulement ici au travail, mais aussi à la maison. Ça améliorera nos résultats et les employés connaîtront plus de succès. Don McNeil Shell est un centre de services automobiles de deuxième génération. La majorité des employés ont un diplôme d'études secondaires et ils peuvent faire le travail et se débrouiller. Mais les choses ont changé tellement rapidement. Par exemple, par le passé, nous pouvions simplement aller aux pièces en vrac pour prendre une pièce à peu près semblable à ce qu'il nous fallait, en se disant qu'elle ferait l'affaire. Mais à cause des spécifications des nouvelles automobiles, il faut maintenant connaître précisément les tolérances. Maintenant, nous pouvons trouver les tolérances exactes, en ligne, en temps réel. Un de nos techniciens travaille ici depuis 1977.
Il a donc plus de 34 années de service. C'est incroyable combien les choses ont changé. Il y a quelques années, toute l'information que je cherchais, je la trouvais dans un livre. Aujourd'hui, tout se trouve sur l'ordinateur. Pour poursuivre mon métier, j'ai dû apprendre à l'utiliser. Les choses ont changé tellement rapidement. Nous n'avons pas le choix. Nous pouvons faire l'autruche. Standards Limited est un fabricant de produits d'acier allié pour l'industrie des camions lourds. En fin de compte, si on ne travaille pas avec ses employés pour les aider à s'améliorer, on fait du surplace puis on recule. Les concurrents essaient toujours de faire mieux et la concurrence aujourd'hui est mondiale, pas seulement locale. Donc on doit s'améliorer et améliorer constamment toute l'organisation. Il est très important de former les employés pour qu'ils aient les compétences nécessaires. On doit aussi être capable de reconnaître les employés qui n'ont pas toutes les compétences essentielles parce que, s'ils ne maîtrisent pas la base, comment pourront-ils développer les compétences plus spécialisées qu'on veut leur montrer? Dans notre entreprise, nous avons constaté qu'en aidant ces employés à améliorer les compétences essentielles, l'entreprise se développe et devient plus performante. Les compétences essentielles sont indispensables pour mon entreprise. La technologie numérique dans nos camions exige une main-d'œuvre qualifiée. Sans elle, nous ne pourrions pas être compétitifs. Un investissement dans les compétences essentielles est un investissement dans l'entreprise. Sans les aptitudes pour la lecture, l'écriture et le calcul, nos employés ne pourraient pas répondre aux demandes associées aux nouvelles technologies. La technologie numérique est partout. Nous devons nous assurer que nos employés sont capables de l'utiliser. En formant nos employés pour qu'ils développent les compétences essentielles, nous avons préparé notre entreprise aux technologies numériques de l'avenir. Ça en vaut vraiment la peine.
des images en rotation sur l'écran, lecture de texte, utilisation de documents, calcul, écriture, communication orale, travail d'équipe, formation continue, capacité de raisonnement, informatique. Compétences essentielles, ça en vaut la chandelle. Une route en hiver au Cambridge, Nouvelle-Écosse. Jack Thompson. Dave Brown. Dave Brown a une flotte de 42 camions. Un camion recule dans un garage. Jack continue. Nous avons des camionneurs sur la route 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les camionneurs doivent posséder trois compétences de base, la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Sans ces compétences, il est impossible de survivre dans l'industrie du camionnage. Les camionneurs doivent perfectionner ces compétences essentielles parce qu'aujourd'hui, avec les règlements, il faut noter des informations dans un registre. Pour traiter avec les clients, les camionneurs doivent aussi faire des calculs et lire des contrats de transport. Toutes ces choses ont des impacts sur notre entreprise. Jack, dans son bureau. La nouvelle technologie nous a obligés à améliorer notre flotte et nos systèmes pour rester compétitifs dans l'industrie, garder notre part de marché et assurer notre rentabilité. Entre 2004 et 2006, près de 43 % des entreprises du secteur privé ont mis en place de nouvelles technologies au sein de leur entreprise. Edmonton, Alberta, un édifice indiquant « All Weather Windows ». Dans l'usine, Oncor Athwall. Nous sommes au siège social et centre de fabrication de l'entreprise All Weather Windows à Edmonton, en Alberta. Nous fabriquons des portes et fenêtres. Un de nos objectifs principaux pour le développement de l'entreprise est de voir à ce que nos employés aient les compétences nécessaires pour faire leur travail le mieux possible. Jason Fleming, All Weather Windows. Nous faisons beaucoup de travail manuel, mais il ne faut absolument pas que l'un l'emporte sur l'autre. Même les ouvriers doivent être capables de lire, d'interpréter des données et de consulter les documents produits lors des processus, par exemple ceux générés par Oracle, notre système de gestion intégrée. Les employés doivent ensuite interpréter l'information, puis l'appliquer dans leur tâche. Oncor Athwall. Pour réussir en affaires, il faut investir dans les employés. Et il ne suffit pas de le faire une seule fois, mais constamment, et on en tire des avantages 10 fois plus grands. Chaque augmentation de l'utilisation des ordinateurs de 10 % par les employés augmente la productivité de 1,3 % Willow Printing Group, Concord, Ontario. Dans une usine, Jeff Eckstein. La technologie numérique et les compétences que doivent posséder les gens ont des effets énormes sur l'industrie de l'imprimerie et sur notre entreprise. Aujourd'hui, il faut absolument savoir lire et écrire pour comprendre l'information nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Notre atout numéro un, c'est notre personnel. Si nous ne le formons pas pour qu'il réponde aux normes actuelles, nous ne pourrons pas rester en affaires. Il est donc important que les personnes comprennent les changements technologiques et ce que l'entreprise doit faire pour rester un chef de file. En 2009, l'utilisation d'Internet par les Canadiens et les Canadiennes pour commander des biens et services a été évaluée à 15,1 milliards de dollars. Winnipeg, Manitoba, Portage and Maine. L'édifice de Malak. Philippe Portelance. Malak est un atelier de fabrication de tôles. Nous prenons les tôles de matière brute et pouvons les couper au laser, les poinçonner à la cisaille, les arrondir, les souder et les peinturer sur place. Ces dernières années, les procédés et les procédures ont changé. Nous avons installé un système de base de données qui va avec l'équipement de l'atelier. Ça a changé non seulement certaines tâches et responsabilités de certains employés, mais aussi les procédures qu'ils doivent suivre, comme le codage par code à barre des travaux, entrant et sortant. Nous pouvons aussi déterminer rapidement à quelle étape une pièce est rendue dans l'atelier. On sait tous que beaucoup d'employés apprennent, avec les années, à exécuter leurs tâches même s'ils n'ont pas toutes les compétences essentielles. Ils sont parfois capables de cacher ces manques. Nous avons détecté le problème et allons offrir à ces employés une formation qui les aidera non seulement ici au travail, mais aussi à la maison. Ça améliorera nos résultats et les employés connaîtront plus de succès. Les petites et moyennes entreprises, dans une proportion de 89 % ont mentionné que les changements technologiques sont au centre des problèmes qui auront une incidence sur l'économie canadienne dans les 10 à 20 prochaines années. Elmsdale, Nouvelle-Écosse, Roy McNeil. Don McNeil Shell est un centre de services automobiles de deuxième génération. La majorité des employés ont un diplôme d'études secondaires et ils peuvent faire le travail et se débrouiller.
Mais les choses ont changé tellement rapidement. Un mécanicien. Par exemple, par le passé, nous pouvions simplement aller aux pièces en vrac pour prendre une pièce à peu près semblable à ce qu'il nous fallait, en se disant qu'elle ferait l'affaire. Mais à cause des spécifications des nouvelles automobiles, il faut maintenant connaître précisément les tolérances. Maintenant, nous pouvons trouver les tolérances exactes, en ligne, en temps réel. Un mécanicien âgé. Un de nos techniciens travaille ici depuis 1977. Il a donc plus de 34 années de service. C'est incroyable combien les choses ont changé. Il y a quelques années, toute l'information que je cherchais, je la trouvais dans un livre. Aujourd'hui, tout se trouve sur l'ordinateur. Pour poursuivre mon métier, j'ai dû apprendre à l'utiliser. Les choses ont changé tellement rapidement. Nous n'avons pas le choix. Nous pouvons faire l'autruche. Roy en avant de son centre de service. Les petites entreprises qui ont un grand degré de connectivité web voient leurs revenus augmenter 2,25 fois plus rapidement que les entreprises qui n'ont aucune connectivité. Calgary, Alberta. En avant de l'édifice Standens Limited, John Simpson. Standens Limited est un fabricant de produits d'acier allié pour l'industrie des camions lourds. John continue. En fin de compte, si on ne travaille pas avec ses employés pour les aider à s'améliorer, on fait du surplace, puis on recule. Les concurrents essaient toujours de faire mieux, et la concurrence aujourd'hui est mondiale, pas seulement locale. Donc, on doit s'améliorer et améliorer constamment toute l'organisation. Il est très important de former les employés pour qu'ils aient les compétences nécessaires. On doit aussi être capable de reconnaître les employés qui n'ont pas toutes les compétences essentielles parce que, s'ils ne maîtrisent pas la base, comment pourront-ils développer les compétences plus spécialisées qu'on veut leur montrer? Dans notre entreprise, nous avons constaté qu'en aidant ces employés à améliorer les compétences essentielles, l'entreprise se développe et devient plus performante. Les compétences essentielles sont indispensables pour mon entreprise. La technologie numérique dans nos camions exige une main-d'œuvre qualifiée. Sans elle, nous ne pourrions pas être compétitifs. Un investissement dans les compétences essentielles est un investissement dans l'entreprise. Sans les aptitudes pour la lecture, l'écriture et le calcul, nos employés ne pourraient pas répondre aux demandes associées aux nouvelles technologies. La technologie numérique est partout. Nous devons nous assurer que nos employés sont capables de l'utiliser. En formant nos employés pour qu'ils développent les compétences essentielles, nous avons préparé notre entreprise aux technologies numériques de l'avenir. Ça en vaut vraiment la peine. Pour en apprendre davantage sur les compétences essentielles et numériques pour vous et vos employés, veuillez communiquer avec le Bureau de l'alphabétisation et des compétences essentielles, adresse URL du BACE, ou visitez rhdcc.gc.ca/alphabétisation compétences essentielles.